Gérard Depardieu, l'acteur une nouvelle fois visé par une plainte pour agression sexuelle. Nos confrères de Mediapart ont révélé ce dimanche 25 février 2024 que l'acteur Gérard Depardieu était visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés en 2021 sur le plateau du film Les Volets Verts. Nouvelle accusation pour Gérard Depardieu. Déjà au centre d'accusation pour des affaires similaires, l'acteur français Gérard Depardieu se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs pour une affaire d'agression sexuelle présumée. Les faits se seraient déroulés sur le tournage du film Les Volets Verts sorti en 2021. Selon les informations de Mediapart dévoilées ce dimanche 25 février 2024, CIST, une décoratrice ensemblière, prénommée Amélie et âgée de 53 ans qui aurait déposé plainte vendredi 23 février 2024. Un dépôt rendu public par Karine Durieux-Dibolt, déjà impliquée dans une affaire similaire avec l'actrice Charlotte Arnoux. Elle a confirmé avoir déposé la plainte au parquet de Paris, accusant Gérard Depardieu d'agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Les faits, selon l'avocate, ne seraient pas prescrits, remontant à l'année 2021 lors du tournage du film dirigé par Jean Becker. Nouvelle plainte visant Gérard Depardieu. L'acteur aurait proféré de nombreux propos déplacés pendant le tournage à Paris le 10 septembre 2021. Suivi d'une agression où il aurait violemment touché la taille, le ventre et les seins de la décoratrice, avant que la scène ne soit interrompue par les gardes du corps de l'acteur. Ce n'est pas le seul témoignage accablant à émerger. Une autre femme, Sarah, âgée de 33 ans et troisième assistante réalisatrice sur le même tournage, affirme également avoir été victime de gestes déplacés de la part de Gérard Depardieu. Selon elle, l'acteur aurait touché à deux reprises sa poitrine et ses fesses le 31 août 2021, toujours à Paris. Une nouvelle plainte qui vient s'ajouter à la longue liste. Gérard Depardieu est déjà mis en examen pour des faits présumés datant de 2018. De plus, une enquête préliminaire est en cours à Paris pour des agressions sexuelles en 2014, dénoncées par une assistante sur un tournage. Une autre plainte pour agression sexuelle, datant de 2007 et déposée par la comédienne Hélène Darras, a été classée fin décembre pour prescription. Pour le moment, ni le parquet de Paris ni les représentants de Gérard Depardieu n'ont commenté publiquement ces nouvelles accusations.